Un jour j'irai à New York avec toi, toutes les nuits déconner, et voir aucun film en entier, cela va de soi, avoir la vie partagée, tailladée. Un jour tu m'emmèneras, emmène-moi. Hello YouTube! Ça, c'était pour toutes celles qui se plaignaient de ne plus entendre ma douce voix chanter. J'espère que vous tenez tous la forme, ici ça va. On se retrouve aujourd'hui, vous n'allez pas le croire, deux vidéos shopping en une semaine. C'est pas la classe ça? Eh oui, je vais encore vous embêter avec ça. J'ai reçu ma petite commande, je vous avais dit que j'avais passé une commande sur la boutique Scrap New Age et j'ai reçu ce qu'Alexandra m'a envoyé. Et on va commencer d'abord par une ouverture de bal parce que cette semaine, Kat était dans ma bab. Et voici sa petite carte de vœux qui est super jolie. Elle les a faites avec ses patchworks de papier. Là, je trouve que ça rend vraiment super bien ses patchworks de papier. Voilà. Kat, si tu passes par là, plein de gros bisous et merci infiniment pour tes vœux. Ça m'a fait très très plaisir. Donc on va commencer. Bon, j'ai pas acheté grand-chose, hein, c'est vraiment un petit haul. Je me suis commandé deux encres Schalke. Alors Schalke, effet craie, hein, je vais vous montrer. Donc j'ai pris la turquoise qui me rend cette couleur-là, qui est juste mais à tomber par terre. Alors là, je suis vraiment trop fan de cette couleur. Et la Blue Light. Qui est comme ceci. Ce bleu est très très beau aussi, j'adore. Donc voilà pour les deux encres. Et ensuite j'ai pris deux pigments en poudre. Donc j'ai pris le pistachio green. Donc ça va pas vous donner hein, comme ça. Ça rend ça, le pistachio green. Il est très beau aussi. Enfin, les pigments sont très très jolis. Voilà. Et j'ai pris le yellow amber. Et là, ça fait vraiment ambre. Ça fait vraiment couleur ambre. C'est très très joli aussi. J'aime beaucoup. Voilà ce qui est des encres. Ensuite, Alexandra m'a glissé en cadeau un petit chipboard comme ça, en bois. J'adore. Sur une carte, ça va trop bien donner. Et des étiquettes. Alors MS, dessus il y a écrit étiquette de Scrap New Age. Donc je pense que ça doit être elle qui les fait et qui doit les commercialiser sur sa boutique du coup. Voilà, une petite planche d'étiquette comme ça à détourer avec des petits mots en français et en anglais. Mais il y a plus de français que d'anglais et ça c'est juste, juste top hein, en fait. Donc voilà. Ensuite, j'ai commandé deux feuilles à découper. Ça, c'est principalement quand je fais des cartes. Voilà, c'est très. Ça, c'est très shabby vintage, on va dire. J'aime beaucoup la petite carte en haut là. Avec la petite barque et les petites. Et les roses dedans. Je trouve ça trop trop joli. Voilà ce que ça donne. Je vous donne, c'est de Lemoncraft, hein. La collection Vintage Time 004, si jamais ça vous intéresse. Et celle-ci, toujours de chez Lemoncraft, c'est la Vintage Time 029. Et là, c'est des petits médaillons avec pardon, des bouquets de fleurs et des butterflies, enfin des papillons. Là. Ensuite, j'ai repris. De chez. Ah oui, je ne vous ai pas dit. Les encres en spray et les pigments en poudre sont tous de chez Trezart. J'aime beaucoup cette marque. Ils font pour les. Enfin, moi, je sais que j'ai pas mal d'encre de chez eux. Pas des Schalke. J'ai des métalliques et des. Je ne sais plus comment. Et j'ai. Je dois avoir 4 ou 5 pigments en poudre de chez eux déjà. Et franchement, ils sont. Enfin, moi, j'en suis très très satisfaite. Donc là, j'ai commandé du gel médium parce que j'en avais plus. Toujours de chez Trezart.
Ensuite, j'ai commandé bah, pas mal de petits chipboards. Donc j'en ai commandé un. Vous allez me dire, non mais bébé, t'as pété un câble. Noël s'est passé depuis 2 mois. Bah ouais, mais c'est en promotion. Et ces petits sapins là. Ceux-là, mais je les trouve mais juste trop terribles. Et ils étaient. Ah, je veux pas vous dire de bêtises, mais je crois qu'ils étaient à plus. À au moins moins 50%. Je crois. Je veux pas vous dire de bêtises, mais je crois qu'ils étaient à. Je sais même pas s'ils n'étaient pas à plus de moins 50%. Donc bon. Ben, je me suis dit pour l'année prochaine, hop là, parfait. Ensuite, j'ai pris des petits feuillages comme ça. Il y en a deux à l'intérieur. Ensuite, j'ai pris un petit treillage. Je ne sais pas si ça se dit treillage. Une treille, quoi, en fait. Hein, comme dans les jardins, vous savez. Ensuite, là, j'ai pris des découpe-feuilles. Vous voyez. Voilà, et là j'ai une petite planche. Là ensuite, je vais être obligée d'ouvrir, ça va faire du bruit. Ensuite, regardez-moi cette beauté. Ça c'est tout nouveau sur la boutique, c'est dans les collections baroques et franchement, mais ils sont superbes. Donc ça, je vais vous faire dès cet après-midi, je pense, une petite carte parce que du coup, j'ai récupéré mon PC, mais pas le PC de ma fille. Donc sur mon PC, je n'avais vu qu'il était en panne, je n'avais pas mes nouvelles vidéos. Et toutes les nouvelles vidéos que je vous ai faites au moins 3 pages de Art Journal, je vous ai fait une carte, il me semble. Enfin, je vous ai fait plein de trucs. C'est tout dans le PC de ma fille et je n'ai plus aucune vidéo sur le mien. Donc là ça va être chaud. Heureusement que j'avais ma toile, la toile mix média que j'ai fait en décembre. Je ne vous avais pas encore mis les vidéos. Heureusement qu'elle est sur mon PC. Du coup, vous allez les avoir lundi et puis mercredi. Et puis je vais vous faire, vu que là je suis en vacances, je vais vous faire des petites vidéos histoire de combler le vide. Bon, enfin bref. Donc là, ça. Ce petit mannequin, je vais faire une carte avec. Je sais déjà ce que je vais faire avec. Quand je l'ai vu sur la boutique, je dis, ah, il me la faut. Ensuite, nous avons 3 frises comme ça, dans le style baroque. Une petite, une moyenne et une grande. J'adore. Ensuite, nous avons un cadre avec un effet pavé, quoi. Un effet pierre, je dirais. Ensuite, un cadre comme ça, style napperon un peu. Et ensuite, nous avons cette planche avec des fleurs. Voilà. Ensuite, dans celui-ci. Alors, j'ai recommandé pour celles qui me suivent depuis un petit moment. Elles ont certainement vu les 2 cartes. J'avais fait 2 cartes avec deux embellissements comme ça, là. Ça me fait penser un petit peu aux anciennes porte-enseignes, vous savez, ou aux lampadaires avec des feuilles de lierre. Donc là, il y en a 2. Moi, j'adore. Donc, j'en avais plus. Donc, j'ai recommandé ça. Ensuite, j'ai commandé un petit cadre avec du feuillage et un petit nœud. J'adore. Et celui-ci avec du feuillage. Enfin, du feuillage et des fleurs. Voilà pour ce qui est des chipboards. Et ensuite, je me suis commandé un petit bloc en 15-15 de chez Lemoncraft, toujours Violet Silence. Ce que je déplore en fait chez Lemoncraft, c'est que pour l'instant, je ne réussis pas. Alors peut-être qu'ils n'en font pas, je ne sais pas. Parce que les 30-30, les albums 30-30, à moins qu'on fasse des big albums, les pages 30-30 en général, on est obligé de les découper et on a énormément de chutes. Et par contre, pour les 15-15, du coup, c'est un petit peu petit, sauf quand on fait des albums avec des enveloppes et leurs cartes. Mais on ne fait pas que ça. Enfin, moi, je sais que j'en fais un de temps en temps. Voilà. Mais sinon, j'aime bien faire ma structure. Enfin, voilà, faire monter mes pages d'albums. Ça, voilà. Donc, en général, ils sont plus grands. Donc, j'aime bien les papiers. Moi, ce que j'affectionne le plus, c'est les papiers en 20-20. Sauf que pour l'instant, j'ai pas trouvé chez Lemoncraft des papiers en 20-20.
Donc, bah, c'est pas grave, je me contenterai du 15-15, je ferai des cartes et puis des albums. Comment on appelle ça? Des albums. Bah, je vais pas y arriver. Enveloppe, voilà. Bon, mais regardez-moi ça, par contre, les papiers, c'est juste une tuerie, hein. Enfin, moi, je suis trop, trop fan. Là, c'est un rayé. Là, c'est du violet avec des petits motifs. Voilà, on voit bien. Des petits motifs un peu baroques. Là, c'est un fond tout... Bah, tout vintage avec des petits fonds d'écriture. Là, je sais pas si vous allez voir. Ensuite, on a celui-ci qui est juste terrible. Ensuite, on a celui-ci. Moi, je suis trop, trop fan. Ensuite, on a celui-ci. Voilà. Ensuite, on a celui-ci. Là, je suis désolée, j'ai pas les ongles, les, enfin oui, les ongles et les doigts très propres parce que je me suis amusée à comment dire, je vais vous montrer après. Celui-ci, celui-ci et celui-ci. Alors lui j'adore. Enfin je les aime tous. Hein. Il n'y en a pas un que je n'aime pas dans ce. Il n'y en a pas un que je n'aime pas dans ce bloc. Regardez-moi ça. Cet effet bois. Comme il est juste trop beau. Lui. Alors il y en a deux. Il y a deux de chacun. Celui-là. Et celui-ci, je crois que c'est le premier. Ouais, donc on les a tous eus. Donc il y a bah, 18 designs et il y en a deux de chaque. Voilà pour le petit bloc Violet Silence de Lemoncraft. Et comme je vous disais, donc j'ai les doigts pleins d'encre. Parce qu'en fait, je me suis amusée à mettre mes mousses. Vous savez, j'achète les trucs comme ça là chez Action pour mes mousses. Mais à chaque fois, bah, je m'en fous un peu plein les doigts. Donc ça me saoule un peu. Donc j'ai monté ça sur des bâtonnets de. Des bâtonnets de glace, quoi, tout simplement. Je les avais achetés, il me semble que c'est. Bah, je crois que c'est Action, cela. Il me semble que c'est Action, cela. Donc, ouais, je me suis amusée tout à l'heure à. Comment dire? À monter ça dessus. Donc, bah, forcément, je me suis un petit peu foutue de l'encre un peu partout sur les doigts. D'où le fait qu'il ne soit pas trop, 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 trop clean. Ouais, bah écoutez, voilà pour mon petit haul. Donc, bah, c'était sur la boutique. Alors, j'ai pas de partenariat avec eux, hein, enfin, avec cette boutique. C'est juste que c'est une boutique sur laquelle je commande quelquefois. Enfin, là, ça faisait un petit moment que j'avais pas commandé dessus. Et que bah, c'est une boutique que j'affectionne particulièrement parce qu'elle fait de très, très chouettes trucs. Et puis, c'est pas... Comparé à la Fourmi Créative ou à Scrap Malin ou enfin toutes ces grosses boutiques là, bah sincèrement c'est pas cher quoi. Enfin c'est ouais franchement c'est vraiment pas cher. Donc bah, si vous voulez aller faire un tour sur sa boutique, allez-y, hein, éclatez-vous. Moi faut que je lui demande par contre parce que du coup elle a pas beaucoup de fleurs et il faut que je lui demande si elle pourrait, enfin si elle n'essaierait pas de faire rentrer des fleurs de 49 Markets par exemple qui font de très 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 jolies fleurs ou de Little Bird aussi. Enfin, faut que je joue avec elle. Parce qu'elle a pas grand grand choix de fleurs. Donc ouais, faudrait que je joue avec elle. Enfin mon sac boutique, c'est Scrap New Age. Si vous voulez aller faire un tour, ben allez-y. Et puis ben sur ce, on va se quitter avec une petite pensée positive du jour. Hop là. Si je retrouve my piper, mon pipier, ouais, il est là. Parce que je l'avais noté cette petite pensée. Enfin, ça fait très longtemps que je l'ai. Cette petite pensée positive que j'affectionne particulièrement. Alors, il se dit
que dans chaque homme réside un côté animal, je reste convaincue alors qu'il pourrait bien s'agir de notre meilleur côté. Tchou, excusez-moi. Excusez-moi, ça me chatouillait le nez depuis trop longtemps. Bon, et bien écoutez, sur ce, je vais vous laisser. Je vous fais tout plein de gros bisous. À bientôt. Prenez bien soin de vous. Ciao les amis.